Une commission d'enquête va se pencher à partir d'aujourd'hui sur la concentration des médias. Question cruciale et politique, Alexandra Acuna, à l'orée de la campagne présidentielle. C'est la récente actualité du secteur qui a motivé la mise en place de cette commission, la prise de contrôle annoncée des médias du groupe Lagardère par Vincent Bolloré, le projet de rachat du groupe M6 par TF1, des mouvements de concentration qui inquiètent David Assouline. Tout cela s'est fait sans débat public. Les gens ne savent même pas qui possède quoi. Il est l'un des 3 sénateurs PS à l'initiative de cette commission. Une commission d'enquête va permettre de montrer comment se sont faits ces processus, mais surtout d'éclairer l'opinion publique pour que une chose aussi fondamentale pour la démocratie qu'est l'information et qu'est le monde médiatique aujourd'hui, on puisse de façon éclairée juger si ça va dans le bon sens. Dès cet après-midi, et la désignation de ses 21 membres issus de tous les groupes politiques, la commission va pouvoir entamer ses travaux et envisager des auditions. Aucun grand patron de médias ne pourra s'y soustraire. Voilà pourquoi justement le Sénat a opté pour une commission d'enquête plutôt que pour une mission d'information. C'est un outil parlementaire beaucoup plus puissant. Quand on veut un document, on doit nous le fournir. Quand on veut auditionner quelqu'un, il doit venir. En 2016, pour parler de la reprise en main du groupe Canal+, les sénateurs avaient dû patienter 9 mois pour que Vincent Bolloré accepte de venir devant la commission des affaires culturelles.